The event today at the Maison des Océans is a real historic event. It's really a coming of age of the Tara Oceans project. The five papers that we've published in Science are part of a special issue on Tara Oceans in Science. This is a great achievement, the result of a lot of hard work. Beyond that, this work, this special issue, highlights finally the important role that plankton play in ocean ecosystems and the important role that plankton play for just, you know, managing the well-being of planet Earth in general. Alors le plancton, en fait, c'est tous les organismes qui dérivent dans les océans. C'est-à-dire les organismes qui ne peuvent pas nager. Les poissons, ce n'est pas du plancton, parce qu'ils peuvent se déplacer. Il y a beaucoup d'organismes photosynthétiques, donc qui fabriquent de l'oxygène, et puis qui séquestrent une grosse partie du gaz carbonique aussi, la moitié quasiment. En plus, évidemment, c'est les organismes qui sont à la base de la chaîne alimentaire dans l'océan. Les baleines mangent le plancton, certains poissons mangent du plancton. Et voilà, donc ça marche comme ça. La spécificité de Tara Océan au point de vue scientifique, c'était vraiment d'essayer d'échantillonner tous les organismes marins dans la zone entre 0 et 500 mètres de profondeur. Les virus, les bactéries, les petits eucaryotes, puis les petits organismes jusqu'à quelques millimètres. Et à chaque fois de collecter en même temps les informations environnementales, c'est-à-dire la température, la salinité, puis certains paramètres comme l'oxygène. De bien connaître le plancton, ça permet d'avoir des indicateurs sur l'état des océans. C'est-à-dire qu'on sait que maintenant, avec ce qu'on a fait dans Tara Océan, on a un point de départ, un point zéro, qui va nous permettre, dans le futur, de suivre l'évolution de cet écosystème et voir comment il change, avec la pollution bien sûr, mais aussi avec le changement climatique, avec les impacts environnementaux des hommes en général et tout ça. Quoi. Dans le cadre de Tara Océan, le Génoscope a réalisé le séquençage de la totalité des échantillons biologiques, à la fois pour décrypter la diversité des espèces et pour essayer d'établir le contenu en gènes de l'ensemble de ces espèces dans l'océan pour la première fois. Pour les virus, on estime plutôt le nombre de protéines différentes qui sont contenues dans les virus qu'on a séquencés. Donc là, on est aux alentours de 1,5 million à peu près. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il semble qu'on ait décrit, avec ce 1,5 million, à peu près la totalité des types viraux qui sont présents dans l'océan. What we are trying to do is something that we call ecosystems biology. So we want to understand the structure and the function of a whole ecosystem, and the ocean is the biggest continuous ecosystem that exists. And our job as bioinformaticians was to use these sequence data and reconstruct the genomes and try to see how this relates to the environment. We determined that temperature was by far the most important factors that determined the community structure of ocean surface microbial populations. And if you think about it, the key message of this is that the microbial communities respond very sensitive to changes in temperature. Les eucaryotes sont en fait tous les organismes qui ont des cellules complexes. Les cellules complexes contiennent le matériel génétique dans un noyau, qui a une membrane, et il y a une autre membrane qui est la membrane cellulaire. Elles font passer des membranes entre le noyau et la membrane à l'extérieur, donc elles sont capables de manger. Dans ce papier-là, on publie 300 communautés d'eucaryotes, pour lesquelles on a séquencé 2 millions de codes-barres génétiques. Et une question que je me demandais vraiment, c'est est-ce que ça sera suffisant ? Et en fait, ce qui m'étonne, justement, c'est qu'on a touché le bout. Parce qu'on a vu le bout du système et qu'on peut vraiment commencer à voir les règles d'organisation, puisqu'on séquence plus ou moins tout. Et ça, c'est merveilleux pour un écologiste. Basically, what we do is we look at the occurrence patterns of organisms. So if one organism is always present when another organism is also present, this means that these two organisms might be interacting. You can have one organism profiting from another one, where the other one doesn't have any benefit, that would be parasitism. You can have also competition interaction, mutualism. So one of the major things that we discovered was that
parasitism is an important driver of the ecosystem structure. On s'est focalisé sur comment les plantons sont transportés par les grands courants océaniques sur l'Afrique du Sud, parce que c'est la région où il y a la connexion entre l'océan Indien et Pacifique et l'Atlantique. Le premier résultat, c'est que la diversité entre l'Indien et l'Atlantique est différente. Donc on n'a pas vraiment le même type d'espèces. Et le deuxième résultat, c'est qu'il y a une sorte d'action de filtrage donnée par des tourbillons très particuliers qui sont créés près de l'Afrique du Sud, ça s'appelle les anneaux des aiguilles. Cette eau est fortement modifiée par les tempêtes, donc il y a du mélange, un refroidissement, il y a moins de lumière, des nutriments qui sont différents. Et donc, en fait, les plantons, les organismes qui sont transportés sont fortement perturbés par ça. Et probablement, ça, c'est la cause de cette limitation des homogénéisations qu'il y a entre les océans Atlantique et Indien.